épaissi un tout, légèrement. Ah, d'accord. Un peu. D'accord. Au début. Et après, tu le fais un peu plus épais. Ça fait comme un mur, quoi. Ça paraît difficile, mais après, on dirait que c'est déjà. Il faut dessiner. Maintenant, par contre, tu peux entièrement, celui-là, tu le mets bleu, carrément bleu. Ah bon? Si tu veux, tu peux déjà épaissir ce qui est encore un peu mince. Ici, là, par exemple? Et les couleurs, tu sais, toi qui les... Tu les choisis? Oui. Peu, non? Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps? Ah bon. Non. Lequel tu veux? Celui-là. Celui-là. Je repeins là. Et ensuite, et tu commences ici, où tu veux. Tiens, fais deux ou trois traits comme tu veux. Oui, je fais un... Là, ça prend déjà une allure. Pas mal. Intéressant. Qu'est-ce qu'il fait là? Prends un film, ton cours, le film. Mieux, tu es déjà plus intime avec toi. Tu rentres dedans et il se passe des choses entre toi et le papier, le dessin. Et oui. C'est un bon élève, hein? C'est un bon élève. Je t'enverrai un de mes dessins aussi, tu verras. Il y a... On peut dire que d'une certaine manière, il y a des proximités. Mais moi, je ne fonctionne pas par le trait, mais plus par le... Maintenant, je vois déjà que tu peux finir ce que tu as commencé. Eh oui. Tu as déjà donné naissance à un début de... D'accord. Donc effectivement, à un moment donné, tu sens que ça prend naissance, quoi. Ça prend, oui, ça commence à oui, exister. C'est toi qui tu vas le sentir et tu seras plus rassuré et tu... C'est très amusant à faire. Non, mais tu vois, ça c'est, tu peux très bien là. C'est ça, tu peux déjà le finir, tu vois. Oui. Tu peux déjà voir une fin.
Bon, je sais pas si j'ai été dans la bonne direction, hein. Mais tu le termineras, hein, quand je serai... Tu le termineras, ce dessin. Non, je vais pas avoir le temps, là, Mouti. Ça serait bien que tu le termines, toi. Mais je le signerai. Comme ça, t'auras plus qu'à signer aussi. Et on aura fait à deux. On fait ça comme ça ? Voilà, maman a donné un tour de dessin à son petit-fils. Voilà. Ben, ce qu'on va faire, parce que là je suis quand même pas...